bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre pour le tirage de votre mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien, nous allons regarder tout ça avec une arcane majeure du tarot de Marseille, explorer les différents secteurs de vie avec le tarot Magic Deck, puis nous finirons par un message de l'oracle de l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Si vous souhaitez des tirages personnalisés, je vous invite à vous rendre sur mon site internet dont je vous mets le lien dans la barre de description, que ce soit pour un tirage ou différentes prestations d'accompagnement, qu'ils soient momentanés ou plus longs dans le temps. Je vous retrouve tout de suite pour la lecture de ces énergies et je vous remercie pour votre écoute. Bienvenue voyageurs du signe du taureau pour votre tirage du mois de mars 2024. Donc, ce mois de mars est prometteur puisqu'avec l'arcane du monde, il nous parle de la fin d'un cycle. L'arcane du monde, c'est la dernière arcane, la dernière énergie du tarot de Marseille. Le voyage s'achève ici. Alors, évidemment que ça ne peut pas concerner toutes les dimensions de votre vie, même si ça nous fait renaître dans une forme de complétude, justement, puisqu'on a fait le tour de quelque chose, on a fait le tour d'une problématique, on a fait le tour d'une situation, d'une relation, et cette période arrive à terme pour nous permettre de renaître au monde dans une nouvelle version de nous-mêmes, enrichie là par ce dernier cycle d'expérience. Alors votre état d'esprit avec le 6 de denier, il est à la générosité. On est ici dans l'énergie du donner, du recevoir, d'un équilibre. On voit ce personnage qui répartit équitablement ses ressources, donc on peut parler de votre générosité à donner, donc de vous, que ce soit voilà, de votre énergie, de votre temps, de votre disponibilité, de votre écoute. En tout cas, voilà, ici, l'ego est équilibré, il n'y a rien que l'on galvanise par rapport à l'autre. On essaye de rendre les choses le plus juste possible, le plus équitable possible. Et en tout cas, on donne de soi, c'est sûr. Alors, est-ce que l'on reçoit autant, telle est la question, puisque en force d'opposition, on a cet as d'épée. L'as d'épée, c'est dans cette position-là à considérer ou en obstacle, nous parle d'un manque de clarté. D'un manque de clarté, d'une forme de flou, de finalement, d'une analyse pas forcément juste, de pouvoir manquer d'informations, ou en tout cas de se baser sur des informations qui ne sont pas justes, ou de voir un potentiel rester un potentiel. Ici, les mots peuvent rester des mots, hein, dans cette posture. Or, si les mots ne se transforment pas en action, ben finalement, ça reste des mots, et puis les choses se dissolvent, et on ne reçoit pas. Donc, est-ce que cette générosité-là, effectivement, ne nous parle pas ici d'une forme de naïveté, de finalement toujours excuser l'autre si ça concerne la relation, ou en tout cas se baser voilà, sur des choses. Ici, on ne peut pas vraiment se fier sur son mental. Hein. Donc, en fonction là, de comment vous vivez cette énergie de générosité, comment vous avez équilibré donc cette notion de donner, de recevoir, pour que les choses soient justes et que personne ne se sacrifie, hein, voir si voilà, cette générosité, elle est réellement équitable ou si peut-être vous vous auto-flouez ou l'autre vous floue par rapport à ce que vous donnez et ce que vous recevez. Effectivement, dans la dimension émotionnelle et sentimentale, on peut retrouver un petit peu cette notion ici avec ce 8 de denier en position d'opposition, une forme d'improductivité, une forme de non-reconnaissance de ses valeurs ici. Alors que pourtant, vous êtes victorieux avec ce 6 de bâton dans cette dimension de votre vie. Peut-être que vous sortez d'une période de conflit. En tout cas, les choses ont été dépassées et vous êtes victorieux, c'est-à-dire vous savez ce que vous voulez avec ce 6 de bâton. Ça a pu être confus, vous avez pu vous battre pour affirmer vos besoins, vos désirs, mais ici, ils sont entendus. Mais sont-ils entendus de l'autre ? Je ne sais pas, puisque vraiment ce 8 de denier ici nous parle donc de finalement jamais se sentir à la hauteur.
Donc peut-être qu'en apparence, on est quand même porté par les choses, on a dépassé une période de conflit en lien avec la relation, en lien avec notre créativité, mais ici, ce qu'on nous dit, c'est que soit le travail n'a pas été suffisamment fourni, soit il l'a été, puisque vous êtes très généreux, mais on ne vous le reconnaît pas, ça. Et que finalement, on vous maintient dans une perception de ne jamais être à la hauteur. On peut vous dire aussi, ici, en fonction de comment vous investissez, hein, en fonction, c'est un tirage général, donc en fonction de comment vous investissez ce 6 de bâton donc dans votre vie, ce truc de win, hein, parce que là, il y a quelque chose qui est quand même très, très réjouissant. On a les lauriers de la réussite, hein, ici, par rapport à nos désirs. Mais il s'agirait peut-être de ne pas se reposer sur ses acquis. D'accord ? Ça peut nous demander de continuer d'être proactif. Or, ici, soit on se rabaisse en permanence, soit on peut se sentir rabaissé par l'autre et finalement donner davantage que ce que l'on reçoit. Donc ce sera là vraiment, j'allais dire, à jauger. On a quelque chose là de l'ordre de la jauge. En tout cas, les choses doivent être renouvelées avec cet arcane majeur du monde qui vient se poser donc de manière uniforme là dans tous les secteurs de vie et qui est quand même la direction à suivre, cette renaissance. Donc en fonction du secteur de vie que vous sentez arriver à son terme, arriver en fin de cycle, on parle bien ici d'aller au bout et de traverser finalement le miroir, d'accoucher de cette nouvelle version de nous-mêmes. Et ça pourrait être complètement au niveau de la dimension matérielle et professionnelle, puisqu'ici aussi, donc, on a l'arcane suivante finalement. Donc on pourrait imaginer, on pourrait sentir que cette renaissance se fait au niveau professionnel et matériel avec le fou ici. Puisque dans les aspects favorables, le fou vous encourage à oser vous offrir à l'inconnu, à vous ouvrir là pleinement, donc au renouvellement de cette dimension de votre vie, puisque ce 4 d'épée nous parle d'une forme de sclérose mentale. Il y a quelque chose qui est enfermé ici, qui peut être en lien avec la productivité, qui peut être en lien avec cette mésestime de vous aussi, avec cette sensation voilà, de ne pas se reconnaître assez de valeur, de finalement bien se répéter là, toutes ces pensées qui vous disent « Non, c'est pas pour toi, t'es pas assez qualifié, c'est un job qu'on te propose, waouh, ça a l'air énorme, c'est plein de... Mais en fait, tu pourras jamais le faire. » Voilà, toutes ces pensées un petit peu mortifères qui sont donc basées sur un manque de confiance en soi, qu'il s'agira de pas écouter du tout, puisque le fou, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le fou, alors que originellement, bien sûr, c'est le mât. Hein. Lui, il ose. Il est plein d'audace ici. Il n'écoute pas du tout son mental. Il suit une impulsion. Il suit finalement un élan hein, vers lequel il est poussé. C'est un chien qui est derrière et qui le pousse sur son chemin. Donc, c'est son instinct, son animalité qui peut amener des situations dans votre vie, qui peut en tout cas vous mettre sur une route, quelque chose que vous le sentez pour vous. Et attention de ne pas vous laisser piéger par votre mental qui viendra vous dire que vous n'avez pas les qualités suffisantes. C'est faux, c'est tout à fait faux. Et au niveau de la dimension sensuelle, sexuelle, cette énergie, ce feu vital, ce que vous avez pour vous, eh ben, c'est ce lâcher prise, cette aptitude au lâcher prise qu'on a déjà ici avec l'arcane du fou. Puisque, vous voyez ce pendu, il a les mains dans le dos, il est complètement coincé, mais en même temps, il voit les choses désormais complètement différemment. Il les voit sous un angle nouveau. Et c'est parce qu'il les voit sous un angle nouveau qu'il fait « Ok, finalement, c'est pour moi. » Donc, les voir sous un angle nouveau, c'est sans doute se libérer de ce 4 d'épée, de ces pensées-là enfermées qui ne vous permettent pas, qui bloquent justement votre expansion et votre audace. Donc, c'est parfait d'avoir finalement le pendu dans une position favorable, donc dans cette dimension créatrice, hein, donc ce feu qui nous anime, c'est que là, ok, on lâche prise, vraiment. Et on lâche prise face à quoi ? On lâche prise face à peut-être une nouvelle rencontre, quelque chose qui peut venir, alors une nouvelle rencontre, une nouvelle proposition, en tout cas un chemin qui s'ouvre à nous, hein, puisque le 2 nous confronte toujours à une rencontre.
Ça peut être une rencontre avec une part de nous-mêmes que l'on n'avait pas vue jusque-là et qui fait que finalement on est à même de se reconnaître des compétences que l'autre nous que notre vie ne nous renvoyait pas jusque-là, d'accord ? Si on attend de briller dans le regard de l'autre pour entrer en confiance en soi, on se soumet finalement à ce regard et donc à la subjectivité de l'autre pour avoir confiance en soi, ce qui est quand même dommage. Ici, on voit les choses autrement, ça peut passer par une rencontre qui peut venir nous bousculer et qui va effectivement peut-être nous mettre dans ce flou-là, dans cette hésitation totale, puisque on peut avoir peur, hein, je dis bien là, que ce soit le pendu, le monde ou le mât vous demande vraiment ce lâcher prise, cette audace de, c'est finalement sauter dans le vide en ayant une foi absolue que le sol va se tisser sous vos pieds. Donc c'est pas évident et c'est peut-être ici pour ça, c'est peut-être ici là la difficulté justement, c'est-à-dire à trop hésiter, à trop mentaliser les choses. Vous pourriez passer à côté de cette renaissance. Mais j'y crois pas vraiment, puisque là, les événements ont un risque de vous y amener. Il y a quand même deux arcanes majeures, là, très puissantes. Hein. Après le 12, il y a le 13, il y a la transformation. Donc, ça peut concerner évidemment plusieurs secteurs de votre vie. Ça peut, en tout cas, ce qui va vous ramener à ça, c'est peut-être un événement qui justement va vous confronter à cette notion de générosité et de limite. C'est-à-dire que sous cette générosité, on a le pendu. Et quand on associe ces deux énergies, on se retrouve très vite sacrifié finalement. Donc qu'est-ce que l'on sacrifie à son plein épanouissement, à sa pleine renaissance? Donc il y a une rencontre peut être extrêmement bousculante, c'est peut-être cette rencontre-là qui va vous rendre victorieux sur cette mésestime de vous. Si jusque-là, votre histoire émotionnelle, affective ne vous a pas permis de construire cette confiance en vous, on vous a donc renvoyé cette image de n'être jamais assez, il peut y avoir une nouvelle rencontre extrêmement bousculante, là, alors, qui peut se faire vraiment au niveau du désir. Hein. Ça peut être une rencontre très très magnétique, où vous n'aviez pas du tout prévu de faire ça, vous n'aviez pas du tout prévu de vivre ce genre de choses, ce qui vous met dans une forme d'inconfort, mais en même temps, waouh, quelle victoire finalement sur la restitution de la place de vos désirs. Hein. Mais c'est là où on pourrait vous dire, mais qu'est-ce que tu crois, hein, en face? Donc il s'agit de pas du tout écouter ce qui va pouvoir vous cloisonner ou vous freiner dans votre élan qui pourrait être ce mois-ci particulièrement porteur, donc d'un grand pouvoir de renaissance. Je vous ai tiré une carte de l'oracle de l'amour universel de Tony Carmine Salerno, regardez comme c'est beau, qui nous parle de l'étreinte. Donc on est quand même sans doute ici dans une dimension affective, alors peut-être pas tout de suite amoureuse, mais en tout cas qui vient là vraiment, qui vient vous mettre la tête à l'envers en termes de désir, en termes de stimulation. Ça peut être juste un contact qui effectivement vous électrise complètement, hein, une étreinte qui vous fait basculer dans quelque chose et qui vous obligera de toute façon à lâcher prise pour vous ouvrir à ce nouveau cycle. Mais cette étreinte peut aussi nous parler d'une étreinte avec vous-même. D'accord ? C'est-à-dire qu'avant de se reconnaître dans les yeux de l'autre à sa juste valeur pour recevoir finalement ce que l'on mérite, ce qui nous revient, et contacter la générosité donc de la vie, de son plein potentiel, il s'agit bien de se reconnaître d'abord cette valeur. D'accord ? Qui ici peut pécher avec ce 8 de denier, puisque vous avez pu vous sentir dévalorisé. Et il s'agit bien ici, là, de renaître à une nouvelle estime de vous, c'est magnifique. Et moi, je ressens vraiment que cette étreinte concerne votre être intérieur. Et c'est peut-être cette reconnaissance de vos qualités, de votre potentiel, peut-être de vous découvrir de nouvelles compétences qui va vous offrir, là, un nouveau champ d'expérience où vous pourrez
recevoir à la mesure de ce que vous reconnaissez, de ce que vous vous reconnaissez comme valeur et comme donc cet amour échangé avec l'autre passe foncièrement par le renouvellement d'un amour que vous vous portez à vous-même. Et ça n'a rien à voir avec l'égoïsme ou l'égocentrisme. C'est absolument nécessaire pour pouvoir entrer dans une relation et échanger avec l'autre de manière à ce qu'il nous reconnaisse des qualités que l'on se reconnaît. Hein. Tout ça est un système finalement très magnétique, un système d'écho de miroir. Mais qui, à partir de ce moment-là, va vous faire connecter finalement un cercle vertueux. Donc, lâchez prise ce mois-ci, les taureaux, allez-y, ouvrez-vous là, puisqu'il y a vraiment un grand renouvellement qui est possible. Ne surmentalisez pas les choses, ne passez pas votre vie à douter. Sentez là cet instinct qui va vous pousser en avant pour vraiment voilà un nouveau cycle beaucoup plus juste et en reconnaissance de qui vous êtes réellement, avec beaucoup plus de générosité sans doute vis-à-vis de vous-même, les taureaux. Je suis ravie, c'est un très beau mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut.